Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour une vidéo partie de Sonic Adventure 2 Battle. Donc voilà, on était rendu ici, enfin à ce niveau là. Bon là j'ai recommencé. Bon, ça fait très longtemps que j'ai pu refaire des parties de Sonic. Je suis un peu désolé, j'allais aussi finir les parties de Beyond Good and Evil bien sûr. Donc, maintenant c'est bouclé. Donc on est tranquille hein. Là vous voyez on est rendu à ce niveau là où ça se détruit partout là. Voilà, il y a des bombes nucléaires, il y a du grand n'importe quoi, on détruit des panneaux, ça n'a aucun rapport. Et il y a ouais bah en fait les humains sont contre nous quoi. Je sais pas trop pourquoi. Je sais plus trop pourquoi, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas regardé Sonic X. C'est exactement la même histoire. Voilà, magnifique physique scriptée. Ah, je me souviens de ça. J'avais dit ça. Un magnifique physique scriptée. Les collisions scriptées. Parce que les poteaux, à chaque fois on les tire d'ici, bah, à chaque fois ça fait la même chose. Même ailleurs, ça fait toujours la même chose quand on tire sur la bombe. Donc, c'est scripté. Il nous faut croire que c'est de la physique, mais en fait non, c'est juste quelque chose de scripté. Voilà, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai foncé avec... j'ai fait un espèce de sprint. Voilà, faut prendre la fusée. Bon, c'est vraiment la même chose, hein, vous voyez, c'est... Ça change pas une méthode qui gagne. Normalement c'est une équipe, mais là c'est... pas la même chose, c'est une méthode. Toujours avec Tails ou Dr. Eggman, faut toujours trouver des missiles un peu planqués pour détruire les murs plus loin dans les cages. Voilà, on détruit tout sur notre passage. Bah franchement c'est des niveaux très moyens je trouve ceux-là. Les niveaux avec Tails ou Dr. Eggman. Surtout le mode de joueur là où on doit s'affronter, c'est un peu con. C'est amusant pendant 2 secondes mais assez chiant. En fait l'intérêt du jeu, surtout la vitesse, c'est les niveaux de vitesse avec Sonic et Shadow. Sinon après c'est un peu bas de gamme. Alors, même si quand j'étais petit je faisais pas trop gaffe hein, je crois que j'aimais aussi ces scènes là. Alors, je crois qu'elle remonte pas ces plateformes. Ouais. C'est des plateformes fourbes. Descendre pile quand on est dessus. Même avant. Quand on sera prête à aller dessus en fait. Voilà, c'est nommé Wanted, attention. Pour 1 million de je sais pas quoi. De Zeni peut-être, puisqu'on est au Japon, je sais rien. Enfin, je crois que c'est Zeni, ouais. Enfin, dans Dragon Ball Z c'est Zeni donc. Mais dans One Piece c'est Berry. Alors que c'est quoi en vrai? Non je crois que c'est Zeni. Là, ça fait bizarre là, vous voyez un immeuble qui vole. Il y a un immeuble qui vole en dessous. Ouais, des fois il y a des trucs qui volent. Bon on est sur l'ère Dreamcast, hein. On n'est pas encore sur les GameCube. C'est juste une repompe graphique Dreamcast.
C'est un peu logique. Une fois sur Dreamcast, on avait des trucs illogiques comme ça. Par exemple, le fond avec les immeubles, on voit bien que c'est en 2D, quoi. Bon, c'est, il est quand même bien fait, JPEG, mais... On voit bien quand même que... ça a été fait assez rapidement. Faudrait qu'ils mettent le JPEG un peu plus loin, peut-être, pour que ça fasse plus... Enfin bon, je dis des trucs techniques, là. C'est parce que j'ai plus grand-chose à dire, on voit... On voit des arbres, c'est beau, des scintilles de partout, il y a un anneau magnifique, et je me presse, voilà, je me presse pour aller le plus vite possible vers cet anneau, pour être tranquille et avoir une note magnifique, une note, ah non c'est, ah c'est pas mal, c'est quand même une très bonne note, hein. Vous savez. Ah, une cinématique encore, un noun saving. Enfin, ça sauvegarde, on voit bien. Oh non. Oh non, c'est le niveau avec... Ah non, on n'est pas encore là, mais bon. J'aime pas trop les niveaux avec Knuckles. Je trouve que ce personnage, il a la classe, mais... Le problème, c'est pas le perso, c'est le niveau. Franchement, c'est vraiment que les niveaux de Sonic que j'avais vraiment surkiffé. Avant, même maintenant, c'est toujours plaisant de se refaire ce Sonic. Oula, c'est quoi ça? C'est quoi ce bug? Oh purée, non, je vais crever. Vous entendez la musique? Vous entendez la musique? Vous êtes pas sourd? Il se passe quoi là? Ah d'accord, je suis complètement bugué. Ok. Ah non, ça va, il n'y a pas besoin de récupérer les autres émeraudes. J'avais même plus ça. Les autres morceaux de l'émeraude, de la Master Émeraude. On n'a pas besoin. Par contre, je sais pas où faut aller. Là, je suis sûr qu'il y en a une pas loin, mais bon... vu que ça ne nous montre pas celle-là, parce qu'elle est... vous voyez en bas, là, elle est... prisonnière de... Vous voyez qu'elle est grisée par rapport à l'autre. Celle de droite, voilà, c'est celle de gauche, c'est celle qui clignote. Il faut trouver celui-là avant pour qu'il nous désigne l'autre morceau. Je pense que je l'avais pas dit dans les autres parties d'avant. Ce serait bien de le dire un jour. C'est un truc que j'avais trouvé assez tardivement, ça. Mais bien sûr, les bulles, vous voyez, assez grossières qui nous permettent de récupérer de la vie. Non, de pouvoir respirer plus longtemps dans l'eau. De prendre de l'air, tout simplement. Par contre, je sais pas du tout ce qu'il faut faire, là. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Je suis bloqué, encore une fois. Ça va être magnifique. Je sais pas, il y a un bumper, il y a tout. Alors on est toujours à moitié bloqué dans ce genre de niveau, c'est pas trop où aller, là je vais par là, c'est fermé. J'ai envie de quitter. J'ai envie de quitter et de recommencer comme on avait fait. Alors, je préfère remonter là parce qu'on va bientôt crever. Et revenir ici vite fait. Pour pouvoir avoir assez d'air, pour pouvoir continuer plus loin. Je pense qu'on pouvait faire baisser le courant d'eau aussi dans ce niveau. Si je me souviens bien. Ah purée, vite! On s'en fout de ça! Oh, mais c'est quoi tous ces trucs? En fait, je suis allé où là? C'est la première fois que je suis allé dans un endroit pareil. Où il y avait plein de pics, plein de pièges, plein de fantômes qui nous agressaient. C'est un peu du WTF. Donc je vais pas aller là-bas. Ah, par contre là on voit plus du tout qui s'illumine le truc. C'était comment pour abaisser l'eau déjà?
Par contre, on est à chaque fois bloqué dans ce genre de niveau, c'est assez relou. Faut prendre son temps, il faut être patient. Je récupère de la flotte. Les bulles. Bon bah vous voyez, je suis bloqué. Qu'est-ce qu'on va faire? On va recommencer. C'est ce qu'il faut faire, franchement, des fois c'est impossible. Ah mais c'était ici! Oh purée, mais je pouvais avancer en fait. C'était ici pour changer l'eau. Je crois qu'il y a un truc là-haut. Je le sens. Je trouve cet endroit étrange. Ah là, vous voyez ce truc là, cet endroit semble familier. Bon, je sais pas pourquoi il dit ça. Ah si, c'est l'emblème de la Master Emerald. Enfin, c'est là où est rangée la Master Emerald avec les quatre escaliers là autour. Enfin, il y en a un que je vois pas, mais voilà, je crois qu'il y en a un quatrième. Donc ça permet ça de déverrouiller des passages secrets si on a une espèce de flûte. On peut jouer de la flûte et ça déverrouille un passage secret. Donc là je sais pas, je vais monter l'eau. J'en sais rien, on est des fous. Alors que la caméra part un peu en n'importe nawak. Ah mais non, je redescends. Ah mais non, qu'est-ce qui se passe? Je suis bugué. Ah c'est bon, maintenant on peut descendre plus bas. En fait, fallait que j'aille là depuis tout à l'heure. Le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est encore plus dur qu'avant. Quoique. Il y en a une pas loin. Mais c'est vraiment prise de tête, ce genre de niveau, quand même. Mais chemin étroit, je l'ai remarqué depuis tout à l'heure. La caméra, elle arrête pas de s'affoler. Merci de l'explication. C'est vraiment... ça aide beaucoup. Radica. Donc là, je suis redescendu là où il y avait l'espèce de piège. Avec toutes les mines. Attends, il y a des têtes de mort là-bas. Attendez, il y a... là. Si on fait au milieu, je crois qu'on a un super truc. Non, c'était pas ça. Bah, c'était pas ça. Je pense que ça va être une vidéo où je vais pas beaucoup parler. Ça va être plutôt de la concentration, de la persévérance. Je vais dire plein de conneries. Ah si, je voulais aussi vous dire que j'allais peut-être pour Noël. Et oui, j'avais déjà eu le Game Capture. Bah, ce Noël là maintenant, je pense que je pourrais m'accorder, je pourrais m'acheter. Un magnifique, c'est une espèce de boîtier d'acquisition pour la 3DS. J'en ai vu à 200 €. C'était pas donné. Non mais je chercherai plus et on verra ce qu'il y a de mieux pour la 3DS. Parce que je voudrais bien vous faire les vidéos de Mario et Luigi. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo de Sonic également. Je me compte faire tous les épisodes, Super Star Saga, je pense que je vais le faire sur émulateur. Puisque je sais pas si on peut filmer la DS, pouvoir jouer un jeu de Game Boy Advance sur la DS. Et puisque je les ai tous légalement les jeux. Ne croyez pas que ceux de DS, je les ai craqués là sur carte R4, tout ça. Là. Une super card. Bon, c'est vrai que par exemple Mario Kart Wii, je l'ai en Super Card. Pas Mario Kart Wii, qu'est-ce que je raconte? En Mario Kart DS. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai presque pas joué. Donc là, je suis toujours paumé. On peut parler d'autre chose, c'est toujours bien, mais il faut aussi se retrouver. S'y retrouver. Et là, je suis vraiment paumé quoi. J'arrive pas à monter.
Tiens, là on est dans l'eau. Ah bah voilà, une émeraude. Enfin, un morceau. Ça fait 4 minutes 37. Je pense pas qu'on va avoir une note formidable. Je déteste ces niveaux, sérieux. Un niveau de Sonic après, j'espère. Alors, il faut aller où là cette fois-ci là. Part un peu en freestyle, faut aller où? Okay, on peut pas descendre plus bas. Ah si, peut-être là. Peut-être aller là-dedans. Alors, peut-être par là. Non, si je monte, j'en sais rien. Non, bah j'étais déjà allé en fait là. Et de toute façon, ça sert à rien puisque il s'illumine plus le truc. Faut remonter. Mais vous voyez quand même, il y a toujours cet esprit d'analyse inconditionnel. Qu'est-ce que je raconte? Cet esprit d'analyse incroyable. C'est époustouflant. C'est incorruptible. Si. Je me suis encore paumé. Voilà toute la définition. Bon bah plus 10 anneaux, on trouve beaucoup d'anneaux comme ça. Ouais, voilà, je trouve ça vraiment sympa de faire des parties de Mario et Luigi. Vraiment envie de les faire avec vous. Parce que c'est des jeux que j'ai vraiment apprécié, les Mario et Luigi, hein, des bons RPG à la sauce Nintendo. Et c'est. Il y a énormément de blagues dans ce genre de jeu. Paper Mario, je pense pas que je vais pas le faire, Paper Mario. Il est trop long. Et puis aussi, il peut être ennuyeux au bout d'un moment, alors que les Mario Luigi, ils sont toujours rythmés. Enfin, Super Star Saga un peu moins, mais c'est le premier en même temps. Mais sinon, Partner in Time et Voyage au Centre de Bowser. Enfin, je dis Partner in Time, les Frères du Temps, voilà. Il est super. Sont tous super. Et le dernier Mario et Luigi que je me suis fait il y a pas si longtemps que ça sur 3DS, Dream Team World. Enfin, j'ai pas tout fait, j'ai pas fait le mode difficile parce qu'il y a carrément un mode difficile, c'est énorme. Bon, on s'en fout de la note. Il y a carrément un mode difficile, je trouve ça quand même assez énorme. On recommence un jeu RPG en difficile. Vous avez déjà vu ça vous? Bah maintenant c'est la première fois que je vois ça moi. Ah si, il y avait un mode difficile dans Tales of Symphonia aussi, mais bon, c'était pas trop poussé. Alors que là, franchement, j'ai vu, j'ai pas essayé encore le mode difficile, parce que je vais pas l'essayer tout de suite, parce que j'allais faire aussi le mode boss rush, parce qu'il y a un boss rush aussi. Donc, je trouve que dans Mario et Luigi Dream Team World, ils ont vraiment tout fait. Ils ont fait les idées de Mario et Luigi Voyage au Centre de Bowser. Et plus Mario et Luigi Voyage au Centre... Partner in Time, là. À chaque fois, je sais pas le dire en français. Les Frères du Temps. J'oublie à chaque fois le truc. Normalement, c'est les Partenaires du Temps. Si on traduit bien, mais bon. Il marquait les Frères du Temps, donc voilà. En fait, j'ai l'impression qu'on s'en fout un peu de la cutscene. Je vous la laisse quand même. Il vaut mieux mettre l'intégralité du jeu. Ah oui, ça va être le... Là, on va foncer en kart. Allez, on va faire du karting, les enfants. Ça va être amusant. Surtout que moi, j'avance pas au karting. Alors, comment ça joue déjà? Je crois que quand on donne deux coups... Non, c'était pas ça. C'est comment pour qu'il freine après? Ah si, c'est en appuyant plus sur le bouton A, il tourne mieux après. Ah, il fait un espèce de dérapage. Ah, vous vous souvenez de cette scène un peu ratée qu'on faisait avec Rouge? Bah maintenant on fait avec Tails. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Oui, je trouve que Dream Team World est vraiment un jeu qui a vraiment été beaucoup travaillé, je trouve, parce que mais il est à la fois long, il est même plus long que Super Star Saga qui était le plus long pour l'instant pour moi. Ce qui dirait 33 heures je pense, oui. À peu près j'avais mis 33 heures, oui, la première fois.
puis bah, la première fois, bah, je l'ai fait qu'une fois en fait. Super Star Saga, je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça, parce que c'est... Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais en plus c'était au niveau du karting aussi, exactement pareil, avec Rouge. Je vous en avais déjà parlé, oui, que Super Star Saga, je l'avais acheté il y a pas très très longtemps, enfin... Maintenant ça doit bien déjà faire 2 ans. Voilà, c'est parce que le premier Mario Luigi que j'ai eu, c'est Partner in Time, et qui est excellent. Même s'il y a très peu de quêtes annexes, mais par contre le mode principal est très recherché, on va dire. Il est très long. Contrairement à Voyage au centre de Bowser, mais heureusement il y a les quêtes principales après avec celui-là. Ça, ça fait plaisir parce que Voyage au centre de Bowser, il me met à peu près 15 heures. J'ai fait une tête à queue. J'ai fait une tête à queue. Alors, parce que dans Voyage au centre de Bowser, vous avez un moitié, ouais, 15 heures. 15, bah 20 heures pour ceux qui sont très lents. Si je dis pas de bêtises, oui. Partner in Time, on met à peu près 25 heures ou 20. Dans les vingtaines d'heures, 22 heures, je crois, ouais. C'était exactement ça, 23 heures. Donc ce qui est bah moyen, mais ce qui est bien. Mais bon, vu que le jeu est tout le temps rythmé et qu'on se lasse jamais, 22 heures c'est pas court non plus pour un jeu de cet acabit. Et pour Mario Luigi Super Star Saga, on le fait voilà en 33 heures 34 heures. Il était plus long, il était un peu moins rythmé. Et Dream Team World, bah, les défonce, parce que je suis à 45 heures. En vrai, j'ai mis du temps. J'ai fini le jeu en vrai à 40 heures, j'ai battu le boss final, et puis après, il y a les quêtes annexes et tout. Il y en a vraiment beaucoup. Ça rallonge vraiment la durée de vie. Même s'il y a des quêtes annexes, franchement, qui sont assez chiantes, là, comme faire les puzzles, enfin. Vous voulez même pas que j'en parle, j'en parlerai quand on fera les vidéos, bien sûr, dessus, mais c'est que j'ai tellement rien à dire, des fois. Là, parce que j'avais vraiment presque tout dit sur Sonic. Enfin, là, on voit le président, qui ressemble à rien. Qui ressemble à un Lego. Voilà, quoi. Passez-moi les détails, que voulez-vous exactement? Dr. Eggman. Dr. Eggman. Vous avez vu, c'est quand même incroyable, les dialogues. Ouais, c'est pour moi l'un des Sonic qui a été le plus travaillé au niveau du scénario avec les quêtes annexes. Les quêtes scènes. Par contre, j'ai l'impression que c'est buggé des fois la télé là où on voit Dr. Eggman, parce que il y avait plusieurs mains des fois, plusieurs bras. C'est assez étrange. Vous avez vu la détail du visage. C'était vraiment le début de la 3D quand même. Des fois on voit... Bah, pour la GameCube, on pouvait le faire largement mieux, quoi. Mr. President, we're receiving an incoming signal from our agent. On se fait vraiment penser... Bah oui, à l'animé. Sauf que le président, il a une autre gueule. C'est plutôt un papy en fait, dans l'animé. Ah, ok, c'est super bien fait, il est super bien fait le JPEG là, on dirait de la 3D. On voit la pyramide. Bon bah, Tails va trouver l'entrée, c'est-à-dire qu'on va encore jouer avec Tails, malheureusement. Ah, il n'y a pas tant de niveaux que ça de Sonic. Et les niveaux de Sonic sont plus intéressants que ceux de Shadow. Là, voilà, c'est le niveau. Les niveaux de Tails sont vraiment en parallèle avec ceux de Dr. Eggman. C'est vraiment là, t'as un niveau où t'es dans la pyramide, enfin à côté de la pyramide. T'avais exactement le même niveau avec Dr. Eggman, mais sauf que c'était la pyramide, mais dans le noir, la nuit.
quand Dr. Eggman allait dans sa base, alors que là c'est Tails qui va à la base Dr. Eggman pour lui planquer une bonne dérouillée, je pense, avec ses amis, comme d'habitude. Alors, je change pas une équipe qui gagne. Ah purée, non. On change pas une équipe qui perd aussi, il faut toujours un fail. Purée. Mais... Ah bah ça, on recommence vraiment pas loin derrière. J'ai... Heureusement que j'ai pris le checkpoint. Je crois pas que j'allais encore perdre. À cause de l'ennemi qui nous fonce dessus d'un coup. C'est quand même pas si facile que ça. On a déjà 9 vies, plus que 9 vies. Quoique j'en ai gagné des vies avant parce que j'étais pas à ça je crois au tout début. Alors j'étais à 11 vies mais j'ai quand même perdu je crois 2 vies dans le niveau de comment il y a de Knuckles. Ouais. Il fallait toujours un missile dans le cul. Hein. Le fail magnifique. Alors attention, ça explose de partout, c'est incroyable. Ah il a... Il... Ah maintenant je peux détruire ses caisses. Ah, oui, je savais même plus. Oula, mais qu'est-ce que... Oh la caméra. Mystic Melody. Sélectionnez Mystic Melody dans la fenêtre d'action, puis appuyez sur le bouton B pour écouter des mélodies mystérieuses. Ah oui, c'est pour aller dans ces trucs-là, je crois. Voilà, il joue de la flûte. C'est totalement logique. Je joue de la flûte. Je suis en plein des ailes avec un vaisseau spatial. Qu'est-ce que je fais? Je joue de la flûte pour ouvrir les portes. Alors, par contre, comment je fais pour sortir? Ah, il saute pas assez haut. Bah, je sais pas. Non, j'ai pas envie de récupérer ça parce que je veux pas aller dans le monde des chaos. Quoi. Ah, il y a un truc sur le côté. Il oui. Faut des fois bien bouger. Il y a des fois dans le jeu là des trucs qui m'étonnent. Des trucs qui m'étonnent, c'est la caméra qui part en couille déjà. On est obligé de faire L ou R pour bien la stabiliser. Le problème c'est que voilà, elle se remet pile quand on bouge. Ça je trouve ça mal foutu. Parce qu'en effet on peut vraiment bouger la caméra où on veut, hein, comme ça, mais. Donc là je peux plus. Si là je peux. Des fois on peut plus. Mais bon. Bah aussi un truc qui est bon on va dire assez bien fait, c'est que quand on se fait toucher, d'un moment il y a le vaisseau qui fume. C'est marrant. On voit vraiment, que je trouve, j'essaye de trouver des détails un peu insignifiants. Bah purée, mais j'aime pas cette caméra. Oh bon, c'est quand même mieux que les caméras dans Resident Evil 1. En plus, c'est des images fixes, mais en plus, elles sont super mal placées. Tellement mal placées que c'est qu'elles sont placées pour que les zombies nous fassent peur. Mais en fait, dans ce Sonic-là, je me parle beaucoup d'autres jeux, en fait. On se fait le petit singe. Je pense que là, le niveau est bientôt fini. Hein. On va bientôt arriver à battre. Voilà, la flûte. La flûte traversière. Attention. C'est du professionnalisme. Allez, matériel de pro, professionnel. Chaîne Oliver Flav, tout simplement. Et là-bas, il y a un ennemi. Bon, je sais pas où j'ai atterri. Attends, je fais plus rien là. Je suis où? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je vois plus rien. C'est quoi ce bug? Ça m'est jamais arrivé. Attends, c'est énorme. La caméra, elle se retrouve plus. Attends. Je peux siffler. Attends, je vais retourner. Super, mort à cause de la caméra. Merci caméra. Merci caméraman. C'est n'importe quoi. Par contre, là, c'est pas un fail à cause de moi. C'est pas comme au début quand je me suis fait avoir par le robot. Ah non, là.
cause du bug de... Le bug du jeu. Le bug de la caméra. Ça m'est jamais arrivé, la caméra complètement bloquée. Ça m'est arrivé... pas dans ce Sonic là, mais un autre Sonic, je crois. Mais... Bon, ça se voit que les Sonic actuels sont plus maîtrisés au niveau de la caméra. Mais encore tué. Ah, ces robots à deux balles quand même, c'est quelque chose. Bon, on va pas faire des fails à chaque fois, j'ai envie d'avancer. J'ai envie de tout vous montrer vite fait. Donc vaut mieux que je joue un peu mieux. Et qu'il se passe pas de bugs. Si ça se trouve, les bugs, ça vient parce que je capture avec le game capture, j'en sais rien. Non! C'est quoi cette merde? Je passe au travers et je suis mort. Bon, je crois qu'on va pas prendre ce passage, parce que c'est la première fois que je le prends, ce passage. Pour vous dire, à ce niveau-là, je l'ai fait qu'une fois. À l'époque. C'est des niveaux de Sonic que j'ai refait plusieurs fois. Je me suis pas attardé sur les autres niveaux. Bon, allez, on va aller là-bas, parce que ça me saoule, là, le passage secret. Et... La caméra buggée. Et ça m'énerve. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ah bah nous avons trois passages différents, comme quoi le jeu n'est pas linéaire. Voilà. On va se faire ces trucs là pour passer dessus. Enfin, je pense qu'on est bientôt à la fin du niveau. C'est la deuxième fois que je le dis. Comme quoi il est super long ce niveau. 4 minutes 40, j'ai joué super bien, excusez-moi, non, je suis mort plein de fois. Alors là, je vous dis, si on a un dé, c'est extraordinaire. Et voilà. Je pense qu'il a dit qu'il fera mieux la prochaine fois, mais qu'il ne fera pas mieux la prochaine fois, ce Tails. Il n'y aura pas de prochaine fois. Je referai jamais ce niveau de merde. Si, peut-être si je suis blasé. Je sais pas. Alors là, c'est un niveau assez sympa de Sonic. Dans la pyramide. Un niveau que j'ai bien aimé. La musique est vraiment pas mal, je vous la laisse admirer. Écoutez. Voilà, petite musique, musique de rock. Ça fait toujours mouche. Je vois rien. C'est vraiment un groupe de rock hein, dans ce Sonic. C'est ça que j'aimais bien dans les premiers Sonic, c'est les premiers Sonic 3D, c'était du rock'n'roll. Ça fait maintes et maintes fois que je le dis, mais j'aimais bien ça. Et j'aime toujours. C'est ce qui colle mieux au hérisson et... Tout simplement, voilà. Même si j'aimais bien aussi les musiques à la Mario Galaxy dans Sonic Lost World. Allez, je vous dis ça, mais... Je vous dis ça, mais normalement, cette vidéo, je la posterai largement avant Sonic Lost World.
puisque bah, je vais vous dire tout de suite, j'ai fait deux parties de Sonic Lost World. C'est des vidéos découvertes, puisque je viens de découvrir le jeu. Avec vous, et puis. Mais je l'ai pas fait en entier, j'ai fait juste deux parties. Et je me suis arrêté là, j'ai fait un vidéo test après. Enfin, bien après, bien sûr. Attends, je suis tombé où là? Aïe. Ça me remet au tout début. Parce que moi, je trouvais ça mieux de faire un vidéo test sur ce jeu là, parce que j'ai pas mal de choses à dire sur Sonic Lost World. Attention, ah, bah, là, faut se grouiller parce qu'il y a le purée, le chronomètre. Vu que j'ai mis le son pas très très fort, j'entends pas trop où il est rendu. Bah, plus les tic-tac sont rapides, plus la porte se referme. Bon, vous avez vu le principe, hein, c'est l'originalité de ce niveau. Bah, c'est aussi pour ça que ce Sonic était l'un des meilleurs, puisque c'est enfin était le meilleur Sonic 3D, bah, toujours maintenant, puisque c'est l'un des seuls Sonic où bah, les niveaux sont vraiment level design des niveaux sont vraiment originaux, même si bah, Sonic Lost World aussi fait la même chose maintenant. Vous voyez l'exemple des sabliers. Il n'y a pas ça dans d'autres niveaux. Hein. Est-ce que. Ah non, on peut pas utiliser la flûte avec Sonic. Je l'ai pas récupéré. Je crois qu'on la récupère dans le dernier niveau, je crois. Avec Sonic. C'est vraiment à la fin. La caméra qui part en n'importe nawak. Je crois que c'était fait exprès, là. C'était pour montrer la sensation de vitesse. Bon, je sens le C. Oh bah. Mais je suis pas mort une seule fois. Ah, cutscene. Why do I have to find the key? We're counting on you, buddy. The world's greatest treasure hunter. Oh non, c'est un niveau avec Knuckles. Encore une fois. Trouver les trois clés de la porte. Et là, cette fois-ci, c'est pas trois morceaux de la Chaos Emerald, mais c'est trois clés de la porte. Et de quelle porte, on ne sait pas. Ah bah si, la porte qu'on vient de voir à la cutscene. Bon, là, vous voyez, il y a une petite carte. Attendez, là. Purée, j'y arrive pas. Il faut monter. Là, il y a une petite carte. On voit que ça. C'est n'importe quoi. On voit que ça. Que. Là où ça. Là, on voit une petite lumière blanche. C'est... Ça veut dire que je suis là. Il y a toujours la même idée que l'ancien. Niveau avec Sonic, c'est à dire l'idée avec les sabliers. Bon, cette fois-ci, on a du jazz hein, qui nous accompagne. Ça a été souvent du jazz avec Knuckles, c'est la classe absolue. Un petit rap, jazz. Par contre, si on va par là, alors on va pas ça choquer. Par contre, je vois pas du tout où est la clé, sérieusement. Faudrait qu'on m'explique. Ah purée. Ah purée. C'est n'importe quoi. Bah, des grenouilles. Tout n'importe quoi. Je préfère recommencer en fait, hein, vous voyez.
Parce que là, franchement, il y avait vraiment rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a là? Là, il y a rien du tout. Ah, là, c'était une upgrade d'un truc là. Sans doute demi-point. Oui, mais j'ai déjà eu ce truc là. Voilà, on se grouille, on se grouille, on se grouille. Par contre, je vais être encore paumé dans un de ces niveaux. C'est incroyable. J'arrête pas. Enfin, pourtant, je vais vraiment partout. Je suis hyper actif là. Et... même comme ça, j'arrive pas. Putain, il y avait un interrupteur là-haut. Je sais pas à quoi il sert. Voilà, je l'ai activé. Ah, ça a juste désactivé, je pense, la plateforme. Donc alors je suis au bleu là. Faut peut-être aller au vert, je suis pas allé encore au vert. Purée. Oui, c'est un peu de puzzle game, c'est un peu de l'exploration. Attention. Petite chauve-souris. Bon, là je pense qu'on va en voir une. Une clé. C'est pas possible. Vite! Oh purée, la chance! Par contre, je ne comprends pas pourquoi il clignote jamais. Ils sont super hard à trouver ou quoi? Qu'est-ce que vous en dites? On va recommencer? Alors, on est dans le rouge et j'arrive pas à atteindre le vert. C'est incroyable! On va aller là. Ok, c'est fermé. Faut que je trouve un sablier, voilà. Un petit sablier et quelque part. Et... c'est bon, on va aller à la zone verte. Il faut que je tombe. Ah purée, le levier. Ah voilà, on est bientôt à la zone verte, je pense. Voilà, la zone verte. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette zone? Et s'il n'y a rien du tout, je fais recommencer. Oh putain, c'est quoi cet ennemi? Il m'a fait peur. Ah, c'était juste un fantôme géant. Bon bah, enfin. Je me disais bien qu'il était dans le vert, parce que s'il n'était pas dans le vert, il serait où? Donc il est dans la zone verte. Il y a une zone verte, une zone rouge et une zone bleue. Que les clés sont dans chaque zone. Enfin, là il n'y a rien. Je suis en mode galère. Ah, faut peut-être que je monte. Ah bah. Ah, elle est pas loin, elle est pas loin, je sens. Je sens sa peur à la clé là. Voilà, j'ai trouvé la clé. Quel chasseur incroyable au bout de 3 minutes 40. Donc maintenant à la prochaine qui est peut-être dans la zone bleue, la zone verte, la zone rouge. Non, pas la zone verte. On va dans la zone bleue. Allez, aussi, on va bientôt rencontrer un boss là. Qu'on va combattre par ici. Ah, vous allez voir après. Ah, c'est la zone verte là, ça sert à rien. Ah, il y a un fantôme géant par exemple là. J'aime pas la gueule qu'ils ont, ça. Je préfère les boues. C'est une pâle copie des bouts en fait. Ah, franchement, écoutez, je le sens bien là. Il y a la clé pas loin. D'un coup, les scarabées. Ok,
alors un fantôme qui m'a foncé dessus. Ça fait rien de toute façon. Juste trembler la manette. Ah bah c'est bon. Donc maintenant il faut trouver la dernière qui est sans doute dans la zone bleue. Et cette caméra me rendra fou. Alors on est où? Bon, je suis déjà passé par là, mais on est toujours dans la zone rouge, je crois. E01, bah, c'est... Purée, j'y arrive pas. Ah, c'était pour la plateforme. Yeah, ok, bon, moi je vais... là-dedans, zone bleue. Ah, on est dans la zone bleue. Les gars, là, on est à la fin. Bon, bah là, je pense que... Bah, c'est quoi ce truc? Ouais. Il y aura une espèce de... d'insecte. D'accord, le fantôme qui me fonce dessus. C'est toujours sympathique hein, de voir ça. Bon, je suis encore dans le truc. C'est très pratique ça. C'est pour changer de zone. Ah. Il y a enfin quelque chose. En montant encore plus haut. Bon, je crois qu'il faut descendre. C'est toujours pratique. Bon, on trouve vraiment beaucoup d'items en creusant partout. Par contre, je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas où est planquée cette clé. Cette clé fourbe. On va peut-être monter plus haut. Ah, on peut pas aller plus haut. Peut-être dans la zone rouge. Quelque chose d'intéressant. Ou dans la zone là-bas, la zone bleue, vite. Donc la porte se referme. On n'y a rien. Non, c'est là que c'est jaune. Donc c'est en descendant. Il y a une zone pas loin, j'en sais rien. Zone verte. Peut-être derrière ça, purée, s'ils sont fourbes. Non, c'est pas ça. Un truc de Dr. Eggman. Qui a l'effigie de Dr. Eggman. Ah. Ah bah c'est là-dedans. Ok. Ok, cool. Bon, voilà. Fallait faire au pif à la fin. Bon là je pense que j'ai vraiment la pire note. Allez, il y a un petit E par là. Ah B. Incroyable. Ah, il ne nous reste plus que 6 vies. C'est pas tip top. Huh? Who's there? What the... A ghost? A ghost? Un fantôme? Mon dieu. Voilà, un fantôme géant. S'y attendait quand même. Et en plus, ils ont tellement copié sur Nintendo, là, ces gars, que... Ils ont mis Boo. Le nom du fantôme, c'est Boo à la fin. C'est quand même un peu copié de Nintendo, quand même. Les Boo de Luigi's Mansion ou de Super Mario 64. On va se le faire, et on va courir comme des fous. Là vous avez vu comment la voir, c'est pas très difficile. Et je cours plus vite que lui, je cours plus vite que lui. Alors. Et voilà, quand ça se referme, c'est lui le plus fort. Vous voyez sa barre de vie ennemie au-dessus. Parce que je pense que ça doit être que le deuxième boss qu'on a avec la team Sonic. Ah non, le troisième. Enfin bon... Franchement, Shadow n'était pas dur à battre. Ah non, quoique.
Si, je crois qu'on l'a déjà battu, Shadow Eye, on l'a déjà battu. Alors, on est rendu assez loin quand même dans la team de Sonic. C'est bien. La team Hero. Je crois qu'on peut l'avoir deux fois. Si on sprint bien, voilà, je l'ai eu deux fois. Ça, c'est du bien joué. Donc voilà, là, il lui reste plus qu'une vie, hein. Il est bientôt mort. Alors en fait faut s'enfuir, il faut aller par derrière lui, en fait il y a un fantôme qui garde un sablier. On détruit le fantôme et comme ça on peut faire bouger le sablier. Bah, il nous a fait une farce. Comme ça on peut avoir, on peut bouger le sablier et grâce à ça, ça se fait ouvrir les trappes en haut. Pour que le soleil s'y infiltre, les rayons de lumière du soleil s'y infiltrent. Pour que le fantôme soit mort, il soit dans la merde. Parce que les fantômes ils n'aiment pas la lumière. Ah, toute explication. Je suis en train de galérer à expliquer quand même. Vite. Ah, je l'ai eu. Bon voilà, il est dead, il est mort. Il est foutu. Il est KO. Enfin, tout ce que vous voulez. C'était parfait, 2 minutes 38. Que il a mis du temps à la fin, parce que c'était à 1 minute 30, je me souviens, quand j'avais, quand il restait presque plus de vie, quand il était dans la zone rouge. That was pretty rough. We did it! Let's go, Amy! Ah, le retour de Dr. Eggman. Comme par hasard. Ah bah là c'est quand on va combattre contre le... l'espèce de pharaon là. Bon, je pense qu'après ce boss on va se quitter. Comme quoi les boss ils s'enchaînent. Avant c'était le fantôme Boo, maintenant c'est encore un autre boss. Le golem. Oh purée, ça commence déjà très bien. Heureusement on peut se récupérer dans le sable mouvant, c'est pas comme quand on est avec soit Dr. Eggman ou Tail. Bon là on monte tranquillement. Bon, ce boss là n'est pas bien compliqué également. Bon, il est un peu plus dur que le boss le bout. Il est quand même facile. Là, pour l'instant ça va. Mais en 2 minutes ça va être réglé. Pour l'instant Sonic n'a pas fait son freestyle parce que des fois quand on appuie sur A, des fois il fait un double saut, on sait pas pourquoi. Là c'est bon. Enfin il fait un saut et un homing attack en même temps. Je sais pas pourquoi. Oula, là vaut mieux aller en bas. Là il faut jongler entre le sable mouvant et le haut pour esquiver ses attaques. Quand on va sur ces plateformes, elles se referment. Bon voilà, le boss est KO. C'était pas très compliqué et j'ai bien joué, au moins ça me rattrape de ce que j'ai fait au début. Ah, et en plus on a une magnifique cinématique en image de synthèse. Tout ce qu'il y a de mieux. Une belle prestation suivie d'une cinématique. Les cinématiques n'ont vraiment pas vieilli.
si maintenant, avec les nouveaux Sonic, juste avec le moteur du jeu, bah, ça rend mieux. Même que les cinématiques là. Enfin, je dis que ça a vraiment pas vieilli, mais les humains, ils ont une drôle de gueule. Ça fait bizarre, par contre, c'est pas sous-titré là. Enfin, je crois qu'ils sont en train de se disputer parce que y a Master Emerald, là, les morceaux de la Master Emerald qui se sont barrés. Parce que le vaisseau aussi a dérivé. Parce qu'il a foncé sur une astéroïde. Dans la colonie de l'espace d'Arc. Ah non, Arc. Ah, c'est sûr quand même qu'on voit la différence entre le moteur graphique et la cinématique. Parce que maintenant, eh ben, franchement, les jeux sont tellement beaux maintenant que y a pas besoin de faire des cinématiques en images de synthèse. C'est très rare maintenant. Surtout qu'avec les cinématiques en images de synthèse, ça prenait beaucoup de place dans la... Avant c'était les cartouches... Bah ça prenait beaucoup de place dans le disque là. Parce que je pense que les disques de la GameCube... Bon, je le sais ça grâce à l'émulateur. Parce que je me suis fait un peu sur émulateur Baton Kaitos 2. Baton Kaitos Origin. Que je n'ai pas sur GameCube. En vrai, parce que bon, il n'est pas sorti en France, donc voilà. Sa petite excuse. Ouais, et puis voilà, c'est... Je suis parce que j'ai vu que... Les jeux de GameCube, ça faisait 1,3 giga maximum, un disque. Ce qui est déjà beaucoup. Franchement, on voit la plupart des jeux quand même. Les... C'est pour ça que j'ai fait quand même un top 10. Il y a vraiment des jeux qui sont très très bons et qui ont vraiment beaucoup de contenu. Mais comme déjà ce Sonic, quand même, il y a beaucoup de choses. Et tout ça qui tiennent dans seulement 1 giga, c'est quand même bien. Maintenant, avec les jeux qui sont encore plus beaux, je sais pas si c'est ça, mais ça se trouve, c'est juste parce qu'on fait des meilleurs graphismes que les jeux sont plus lourds. Hein. Parce que franchement, il y a des jeux qui sont vraiment mais 10 fois plus courts que les anciens jeux sur GameCube. Et les jeux sur PS3, Xbox 360, c'est flagrant. Moi, je sais pas, j'ai envie de continuer, hein, on continue. Je fais peut-être ce niveau et puis après, c'est fini. C'est vrai que c'était magnifique de se finir par le boss, mais je sais pas, j'ai envie de continuer. Puis on est à 57 minutes, c'est pas encore trop. Je capture pas un jeu HD, donc ça peut aller. Et voilà quoi, déjà l'apparition de la HD, la plupart du jeu, ils faisaient déjà 6 gigas quoi. La plupart. Donc, 3 gigas minimum. Avant sur GameCube avec deux disques ça faisait 1,3 giga et 1,3 giga 2 giga 6. Baton Kaitos il fait 2 giga 6. Je suis un peu renseigné, oui, il fait 2 giga 6. C'est quand même pas mal. Bah, c'est le plus que ce qu'on peut faire sur GameCube, hein. Il y a jamais eu 3 disques en 2 disques. C'est où qu'on trouve le Sonic? Par contre, j'en ai aucune idée de combien il fait. Bon, il doit faire à peu près 1 ou même pas quelques mégaoctets, 700. Alors, faut toucher sans tomber, bien sûr. Enfin, toucher l'interrupteur pour pouvoir ouvrir la porte. Enfin, quel sens de. Quelle connaissance quand même. J'aurais qu'est-ce que... D'accord. D'accord, j'ai pas compris. C'est quoi ce trou là d'un coup? C'est n'importe quoi. Oh non purée, j'ai récupéré une clé de chaos. Je vais pas y aller moi. Bon,
vous voyez, un niveau dans l'espace, c'est pas mal. Voilà, attention à ces bombes, faut pas les faire exploser. Et des fois, on perd vraiment des vies, mais bêtement. Et surtout que je suis sûr que si je jouais, mais... sans parler, je suis sûr que j'aurais réussi. Vous savez, c'est... c'est la magie du direct live. C'est ce que ça fait toujours. On est toujours moins bien... quand on fait une vidéo que quand on la fait pas. Quand on joue tranquille dans le salon, tranquille pépère. Les explosions par contre ont assez mal vieilli, je trouve. Je me fais exploser de partout. Alors un interrupteur pour y aller sur cette plateforme. Je me mène à ce levier. C'est magnifique. Ah purée, nouvelle apparition. Enfin, l'apparition de cet ennemi. C'est bien de le souligner, je ne sais pas ce que c'est ce machin-là. Des robots de Dr. Eggman sans doute encore. Ah purée, non. Oh non. En plus c'est super moche. Tombé dans une vase verte super moche. Enfin, un liquide vert très étrange. En 2D. Bon, attention au rayon. Ah, parce qu'on est un agent secret à moitié, attention. Esquive des rayons laser. Des rayons infrarouges, attention. Ils font tellement mal. C'est pas dans comme dans Splinter Cell où ça met juste une alarme. Là, ça nous abîme notre magnifique carrosserie. Par contre, je disais quoi avant? Parce que je disais un truc, mais je sais plus. Après, juste avant d'avoir. Je crois que je disais un truc intéressant, mais bon, je sais plus. Tomber encore une fois. Vous voyez les magnifiques monuments robotiques. J'arrive, on recommence. Ah non, ça. Ça, on recommence pas loin. À chaque fois, il y a des checkpoints, vous avez vu. Ça, au moins, ça fait plaisir. En plus, vu que je joue super mal, dans ces niveaux-là, j'ai jamais bien joué. Hein. C'est que dans le niveau de Sonic où je gère. Parce que ces niveaux-là, c'est à moitié buggé des fois. Caméra qui part en n'importe nawak. Des bombes qui viennent de nulle part. Des rayons laser rouges qu'on voit presque pas. Ah si, je disais les tailles des jeux sur GameCube. Ce qui m'impressionne, c'est que maintenant, il y a déjà rien que purée. Le gros machin qui me défonce. L'extraterrestre obèse. Faire quoi? Ah, c'était juste pour avoir un item. Une nouvelle capacité. Donc qu'est-ce que je peux faire? Ah si, bah faut descendre. Et donc ce qui m'impressionne dans les jeux actuels, c'est que par exemple Far Cry 3 sur PC, il fait 8 gigas. Je trouvais ça déjà énorme. Mais en plus de ça, j'ai vu Resident Evil 6. Vu qu'il y a plus de trucs, hein, parce que franchement, Far Cry 3, il n'y a pas non plus énormément de choses à faire dans ce jeu. Il n'y a pas énormément d'objectifs. Hein. Souvent, c'est de la poudre aux yeux, hein, tous les trucs à faire. C'est super rapide à faire. Le jeu n'a pas un contenu incroyable non plus. Il fait quand même 8 gigas, mais en plus de ça, il y a Resident Evil 6 qui fait le double, 16 gigas sur PC. C'est lourd. Curie. Dire que Far Cry 3, je l'ai acheté pas en disque, mais en téléchargé, là, sur Steam.
Ça fait mal 8 gigas. 8 gigas à télécharger. Alors franchement, oui, il y a des jeux sur GameCube ou PS2 qui sont beaucoup moins lourds et qui sont beaucoup plus... ils sont plus travaillés, il y a plus de trucs. C'est ça qui me choque. Et même, il y a des jeux, les jeux actuels là, qui sont un peu pourris, là, les nouvelles consoles Xbox One et PS4. Des espèces de jeux indépendants, des fois, faut le dire. En tout cas, sur PS4. Bah, c'est... T'as 30 gigas de jeux. C'est n'importe quoi. L'un des jeux les plus lourds, c'est Call of Duty Ghost. Non mais sérieusement, le truc il fait, je sais même plus combien, 40 gigas, c'est n'importe quoi. Faut le dire, c'est juste pour se la péter. En vrai, les développeurs, ils ont pas compressé leur jeu. Avant, ils prenaient soin à compresser le jeu, sans doute. Alors que maintenant, ils s'en foutent. Oh bon, il y a le téléchargement, bah, les consoles ont une plus grande mémoire. Enfin, c'est pas grave. Vu qu'elles ont une mémoire tellement grande, presque aussi grande qu'un PC, bon, autant mettre un jeu à 45 gigas. Ah mais oui, bien sûr. Avec 10 000 mises à jour, même pour ceux qui l'achètent en CD, en boîtier. Magnifique. Ah mais c'est ça. Je continue. Je me dis que j'ai arrêté après le boss, mais je sais pas, il est que 1h05. Ça fait que 1h05 et 1h06 avec l'intro. 1h06 et 40 secondes, je sais pas. Je sais même plus combien de temps a fait l'intro exactement. Oh non! Oh non, 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 on se retrouve dans celui-là. Trop long. Ouais, c'est un niveau de psychopathe là. Ça va être le niveau genre de rouge dans l'espace, vous en souvenez? Voilà, ça va être à peu près pareil. Ça va être horrible, donc. Sur ce, je vous dis à l'envoyeur pour de nouvelles aventures. Et on se retrouve dans la partie. Enfin, je cherche la télécommande pour éteindre. La partie. Attends, là c'était la partie 4. Donc la partie 5.